passer 24 heures dans la peau d'un Français. Je voudrais passer 24 heures dans la peau d'un Français. Pas pour être plus élégant, ni pour apprécier davantage la robe d'un bon vin. Pas plus pour dire que moi aussi je porte enfoui dans mon histoire des rois, des révolutionnaires, des résistants couverts de gloire. Je n'éprouve nul besoin d'avoir Vercingétorix pour héros, ni Jeanne d'Arc, ni Napoléon, ni personne d'autre d'ailleurs, même pas Zidane. Et quand j'entends Pompidou prononcer la phrase « De Gaulle est mort, la France est veuve », je me sens d'une planète plus lointaine que celle du Petit Prince. Il n'empêche, je voudrais passer 24 heures dans la peau d'un Français. Je n'ai pas envie d'être envahi par la nostalgie de la cuisine française quand je me trouve à l'étranger, ni d'avoir les poils qui se hérissent quand on lance une pique contre le peuple français, son caractère supposé hautain, chauvin, individualiste, rouspéteur, persifleur, si peu accueillant, etc. Hormis les Américains du Nord, y a-t-il un peuple au monde qui subisse tant de critiques tout en étant gratifié de tant d'admiration? L'admiration, ce n'est pas ce qui m'attire non plus, qu'elle soit d'ordre historique, philosophique, idéologique, esthétique ou gastronomique. De toute façon, je me suis résigné, je n'aurai jamais le sang-froid rusé d'un diplomate français, ni la fantaisie d'un grand chef français, ni le charme d'un French lover. D'ailleurs, le French kiss a-t-il vraiment été inventé en France? Et les French fries ne sont-elles pas plutôt belges à l'origine? J'aimerais bien avoir une pincée de French flair, mais tant pis pour moi. Je ne l'aurai pas. Je n'éprouve aucunement le besoin de profiter du French lib, c'est-à-dire filer à l'anglaise. Merci. Non, ce n'est pas pour cela que je voudrais passer 24 heures dans la peau d'un Français. Ce ne serait pas non plus pour apprécier l'aspect frigide des jardins à la française avec leurs haies manucurées jusqu'aux cuticules, leurs arbres manchots et leurs parterres aussi exacts que les pochoirs géométriques, ni pour comprendre le tic de placer plus haut que toute autre discipline les mathématiques. Non, en fait, ma priorité serait plutôt linguistique. Je souhaiterais simplement ne plus avoir à me préoccuper du genre en français. Ne pas jongler désespérément pendant 5 minutes entre des accents aigus, des accents graves et des accents circonflexes, voire des E tout court, pour établir l'orthographe d'un mot. Je voudrais que le subjonctif, même imparfait, me soit donné d'avance. Qu'utiliser le passé simple de temps en temps ne me semble pas être une entreprise archéologique. En gros, j'aimerais ne plus avoir à penser à chaque instant à la façon dont je parle le français ou comment je l'écris. Et je voudrais ne plus voir les oreilles des Français battre telles les ailes d'un oiseau sur le point de s'envoler dès qu'on entend mon accent. Je voudrais éprouver moi aussi cette aisance à produire des concepts, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Des concepts et encore des concepts, toujours plus synthétiques, plus aérés, plus aérodynamiques, dépourvus de toute référence au monde matériel, mais capables d'excéder les limites de l'espace avec cette même fluidité, cette même économie de moyens, cette même sonorité lisse et légère que celle des paroles qu'on prononce en achetant son pain quotidien. Rien que pour ça, mais seulement pendant 24 heures, je voudrais être dans la peau d'un Français. Après cela, je ne serais pas mécontent de revenir à mon état actuel. Je pourrais alors me rappeler à quel point la culture française, comme toute culture, peut sembler étrange vue de l'extérieur. À quel degré la langue française, comme toute autre langue, j'imagine, semble bourrée de bizarreries, d'anomalies, d'emprunts inattendus, de nouveautés tombées dans ne sait où, de secrets qu'une vie ne suffit pas à dénicher. Surtout pour l'étranger que je suis devenu et que je tiens à rester. La personne qui parle tous les jours une langue autre que la sienne fait penser à celle qui vous voit son amant. Quelle distance délicieuse
et quelle proximité à inventer à chaque rencontre. Tant d'étonnement à partager. Le Grand Nord. Le Nord, le Grand Nord, a laissé sur moi sa marque indélébile. À quoi ressemble cette marque? De quelle nature est-elle? En quoi suis-je encore l'enfant de mon pays? En tout, pour la simple raison que j'y ai passé mon enfance. Or, rien ne ressemble à l'enfance. On n'en a pas d'eux. Et quoi qu'on en dise, même avec la maladie d'Alzheimer, on n'y retombe pas. Même si je vis en France depuis plus longtemps que, par exemple, mes enfants, c'est évident, je ne serai jamais aussi française qu'eux. Dans la famille, tout le monde est français, mais c'est comme l'égalité, il y en a qui sont plus français que d'autres. Née en France, les rejetons d'une Canadienne et d'un Bulgare sont français sans problème et sans complexe, grâce au taux relativement bas de mélanine dans leur pigmentation. Il est évident que la progéniture française d'une Togolaise et d'un Cambodgien auront plus de mal à se sentir chez eux. Vous sentez-vous française maintenant? Me demande-t-on souvent. Les expatriés, éternellement exposés aux questions stupides. Ça voudrait dire quoi, se sentir français? À quoi le reconnaîtrais-je si cela devait m'arriver un jour? On peut conférer aux êtres d'origine étrangère la nationalité française, les naturaliser, comme on dit pour les animaux que l'on empaille. On peut leur donner des diplômes français, des honneurs français, voire l'immortalité française. Ils ne seront jamais français parce que personne ne peut leur donner une enfance française. Donc, non. Même avec une enfance française, il y en a, et pas en petit nombre, qui ont du mal à se sentir français, c'est dire. L'enfance, proche ou lointaine, est toujours en nous. Ce que voulait savoir la petite fille. Après une lecture que j'ai faite un jour de marché à Alfortville, devant une librairie, une fille vient me voir. Elle est jolie, brune, le regard pétillant, sa beauté aiguisée par la pudeur. Elle veut me poser une question, mais elle n'ose pas. Elle n'a que 9 ans, peut-être 10. C'est son père qui la pousse. Pourquoi avez-vous fait des fautes de français? Pourquoi avez-vous dit le prison, par exemple? Elle a un sourire avec des fossettes qui, d'ici peu, va fendre le cœur d'un garçon. Bien délicatement, mais avec insistance, elle me scrute. Je lui dis, quand ma fille était un peu plus jeune que toi, je suis allé l'aborder et j'ai chuchoté pour qu'elle s'endorme. Fais de belles rêves. Alors, elle s'est complètement réveillée. Elle a secoué la tête. Elle m'a répondu... Non, papa, fais de beaux rêves. Mais pour moi, les rêves ne pouvaient pas être masculins. Pour moi, les rêves sont comme les femmes, remplis de couleurs et d'images qui m'emportent au-delà des horizons probables, chaudes d'émotions lumineuses ou sombres. Enfin, ce n'est pas exactement comme ça que je me suis exprimée. Ensuite, j'ai tenté de répondre au sujet de la prison. Pour moi, il est évident qu'une telle construction ne peut pas être féminine. J'aurais pu enchaîner avec le parapluie. C'est rond, ça protège, ça crée un espace autour de soi. C'est bien aussi féminin que la pluie qui mouille et qui nourrit, non? Autrement dit, pour moi qui parle une langue presque sans genre, je n'arrive pas à me défaire complètement de l'impression que le genre en français n'est pas arbitraire,
Pire, dans ma tête, il n'y a pas de douanier en permanence à la frontière entre genre et sexe. Et je ne suis pas seul dans ce cas. Allez demander à un échantillon d'anglophones monolingues si, au pif, prison, rêve, parapluie sont masculins ou féminins. Vous allez voir. 9 fois sur 10, ils se tromperont parce qu'ils se fieront à ce qu'ils pensent être la qualité intrinsèque de ces choses. Tout cela, je ne l'ai pas dit à la petite fille, évidemment. De toute façon, elle est bientôt partie déjeuner avec son père. Elle avait sans doute intérêt à ne pas faire attention à moi, d'ailleurs. Si on devait réfléchir à tout ce qu'on dit, on finirait par se taire. Mais moi, pour naviguer dans le monde des genres, j'ai toujours besoin d'un dictionnaire. L'étranger imite. L'étranger imite. Il s'applique, s'améliore, apprend à maîtriser de mieux en mieux la langue d'adoption. Subsiste quand même, presque toujours, en dépit de ses efforts acharnés, un rien d'accent, un soupçon, c'est le cas de le dire, ou alors une mélodie, un phrasé atypique, et cela suffit. Les Français guettent. Ils sont tatillons, chatouilleux, terriblement sensibles à l'endroit de leur langue. C'est comme si le masque glissait et vous voilà dénoncé. On aperçoit le vrai vous que recouvrait le masque et on saute dessus. Non mais, vous avez dit une peignoir, un baignoir, la diapason, le guérison. J'ai bien entendu... Vous vous êtes trompé? Ah, c'est que vous êtes un alien. Vous venez d'un autre pays, vous cherchez à nous le cacher, à vous traverser en français, en francophone. Mais on est malin. On vous a deviné, vous n'êtes pas d'ici. Vous êtes d'origine allemande, anglaise, suédoise? Non. Canadienne, dis-je en rougissant violemment, prise en flagrant délit d'étrangeté. Tiens, vous n'avez pas l'accent québécois pourtant. Non, c'est parce que je suis anglophone, mais j'ai appris la langue française auprès des Français. Ah, d'accord. Ceci dit, quand je suis au Québec, je prends un peu l'accent québécois. Comme c'est curieux. Ben non, c'est pas curieux, c'est normal. J'essaie de vous faire plaisir, vous comprenez? Peu importe qui vous êtes, j'essaie de parler comme vous, afin de pouvoir parler avec vous. Je fais de mon mieux. Pour un peu, je me mettrai à pleurer. Puisqu'il s'agit d'imitation, ici comme là, pourquoi défendrais-je jalousement mon accent parisien à Montréal au lieu d'adapter mon parler à celui de mes chers compatriotes? Soi. Hein? Si l'on arrache carrément le masque, à quoi ressemble le visage qu'il révèle? Le problème, c'est que quand on a passé, qu'un visage humain passe plusieurs années sous un masque, il a tendance à se transformer. Non seulement il vieillit, mais à force de manquer de lumière et d'oxygène, il devient blême, flasque, bouffi. Vous retournez là-bas, et les gens n'en croient pas leurs oreilles. C'est ça, ta langue maternelle? Mais t'as vu l'état dans lequel elle est? Mais enfin, c'est pas possible. Tu as un accent. Tu n'arrêtes pas d'introduire dans ton anglais des mots français. C'est ridicule. Tu fais semblant ou quoi? Tu essaies de nous épater avec ta prestigieuse parisianité? Allez, ça ne marche pas, on n'est pas dupes. On sait que tu es
anglo-saxophone comme tout le monde. Parle normalement, arrête de faire des fautes, arrête de chercher tes mots. Tu les as tes mots, tu les as avalés avec les maternelles. Comment oses-tu faire mine de les avoir oubliés? Parle tout droit, enfin, parle naturel. Parle anglais. Petit accent. Vous avez un petit accent. Mais dit-on. Tout le monde a un accent. Mais pas forcément un petit accent. D'ailleurs, s'il était si petit que ça, on ne dirait rien du tout. On ne fait pas remarquer à une dame qui se promène avec un chihuahua. Vous avez un petit chien, madame. On dit plutôt... Qu'est-ce qu'il est mignon, votre chien? Ou bien... Oh, il me fait des gros yeux, celui-là. Quelque chose comme ça. C'est que le chihuahua a la taille conforme, alors que mon accent est hors norme. Il n'a pas grand-chose de mignon, je ne sais pas s'il a des yeux, mais il est assez dur de la feuille. C'est une espèce de créature de corps étranger enfouie en moi. Normalement... Mon accent devrait rapetisser avec le temps à force d'imiter les sonorités françaises, se camoufler comme un phasme contre une branche, complètement disparaître. Mais c'est l'inverse qui se produit. Chaque fois que je parle français, je le nourris. J'ouvre large toutes les voyelles comme les fenêtres d'une maison chauffée. Les syllabes se mangent la queue plutôt que de rester chacune discrètement à sa place. Les R se coincent dans ma gorge et en sortent comme des clous tordus. Je bousille systématiquement des mots comme grenouille, pourboire, cuillère. Rien à faire. Parfois, mon accent me joue des tours comme un miroir déformant. Quand je me sens mal à l'aise, par exemple... Il lui arrive de doubler de volume, me faisant penser à ce poisson dont la gorge hérissée d'épines se gonfle de frayeur. Parfois, il devient plus raisonnable, plus sage, comme on dit, alors que la sagesse n'a rien à voir là-dedans. C'est plutôt une affaire de pouvoir. Mon accent se comporte comme il faut quand je suis bien dans mon assiette. Mais à d'autres moments, à mon insu, il prend le large. Cela arrive au retour d'un voyage dans un pays anglophone ou bien au beau milieu d'une conversation avec des inconnus. C'est arrivé hier soir, à la maison de l'Amérique latine où j'écoutais la poésie de César Vallejo. Sur scène, un homme lisait en espagnol. Sa voix résonnait bien au-delà de lui-même et pourtant il lisait doucement, sans forcer, complètement habité par les poèmes de Vallejo. À ses côtés, une femme lisait en français. Avec grâce, souriante et sérieuse. Entre eux deux, il y avait Vallejo, ses mots de chair, sa musique d'ombre et de fruits qui transpirent, son désespoir qui chauffe les vers à blanc jusqu'à en tordre la syntaxe. Après la lecture, je me suis approché d'eux.
Mais quand j'ai ouvert la bouche pour parler en français, ce n'était pas avec mon accent habituel. Où était-il donc passé pendant la lecture? Qu'avait-il absorbé? À l'évidence, c'était quelque chose de lointain, de bien plus lointain que la langue de ma mère. Mon accent m'était devenu méconnaissable, flottant, comme un pelage piqueté des marques du voyage, chien errant en quête de repères. Préjugés positifs. Là où d'autres ont un préjugé négatif, j'ai pour ma part un préjugé positif à l'égard des êtres à accent. Déceler des intonations étrangères dans la voix de quelqu'un éveille en moi de façon instantanée l'intérêt et la sympathie. Même si je n'entre pas en contact direct avec la personne en question, si par exemple je suis en train de traverser un jardin public ou de manger au restaurant, dès que j'entends une voix à accent, je tends l'oreille, j'étudie l'individu à la dérobée en essayant de me représenter l'autre versant de son existence, le versant lointain. Qu'il s'agisse d'un Haïtien à Montréal, d'une Allemande à Paris ou d'un Chinois à Chicago, c'est tout un roman quand on y pense. Ah, me dis-je, cette personne est cassée en deux, elle a donc une histoire. Car celui qui connaît deux langues connaît forcément deux cultures aussi. Donc le passage difficile de l'une à l'autre et la douloureuse relativisation de l'une par l'autre. Et ça a toutes les chances d'être quelqu'un de plus fin, de plus civilisé, de moins péremptoire que les monolingues impatriés. Oui, certains monolingues croient ingénument que pour passer d'une langue à l'autre, il suffit de disposer d'excellents manuels et dictionnaires. Que nenni ! Ces outils sont même à peu près inutiles pour la communication courante. La prochaine fois que vous prenez les transports en commun, imaginez qu'un étranger se trouve à vos côtés et qu'il vous incombe de lui traduire mot à mot tout ce que vous entendrez au cours du trajet. C'est une tâche, pour ainsi dire, impossible. Écoutez bien les gens, que marmonnent-ils dans leur barbe? Putain, il fait beau. Eh ben, dis donc. M'en fous. Puis quoi encore? Ras-le-bol à la fin. Bon, ça y est, je me casse. N'importe quoi. C'est lorsque ces 1000 syntagmes opaques deviennent enfin transparents que l'on commence à connaître réellement une langue. Et encore,
on ne la connaîtra jamais comme les natifs la connaissent. Il m'arrive encore, non pas chaque jour, mais plus souvent que je n'aime à me l'admettre, de tomber sur un mot en français que je jurerais n'avoir jamais vu, alors que mes enfants, eux, le connaissent parfaitement. Comment cela est-il possible ? La mémoire des enfants est une éponge, le savoir y pénètre et s'y accumule, celle des adultes, une passoire, le savoir la traverse. D'autre part, ce n'est pas parce qu'on a appris un mot qu'on est capable de s'en servir. Dîner avec des amis monolingues l'autre soir, A et S, très étonné de m'entendre dire qu'il existe dans la langue française des mots, des façons de parler dont je suis incapable en tant qu'étrangère de me servir dans une conversation. Et ben quoi, par exemple ? Mais le passé simple. Oh, ça ne compte pas. Il n'y a que les académiciens qui se servent du passé simple en parlant. C'est grotesque. Quoi d'autre ? Par exemple, ça me gonfle. Ça, je ne peux pas le dire. Ou certains termes d'argot, des anglicismes comme news, challenge, look, des abréviations comme perso. Oh, ça ne compte pas. Ce n'est pas une question de langue, mais de génération, de milieu. Alors, le cas échéant, surtout avec la liaison, le cas échéant. Ça, je ne peux pas le dire. Oh, ça ne compte pas, c'est une question de niveau de langue, c'est une expression légaliste. Et ainsi de suite, ils ne me croyaient pas, ils ne me comprenaient pas. Alors que bien sûr, eux aussi, et vous aussi, tous nous incluons certains mots et tournures dans notre vocabulaire actif et en excluons d'autres. Seulement l'exilé linguistique le fait après mûr, ardu, obsessionnel, pour ne pas dire paranoïaque, réflexion. Étape dans l'apprentissage de la langue française. 1. À la fin d'une journée entière passée à s'efforcer de parler français, on a mal à la bouche. 2. On se rend compte que la prononciation du « u » dans « tu » n'est vraiment pas la même que celle du « ou » dans « vous ». 3. Sans connaître le genre du mot « pizza », on s'obstine à construire une phrase tout entière pour en commander une au restaurant. 4. Débordé par tout ce qu'il y a à apprendre, on se blottit contre sa langue maternelle comme contre un parent. On lui trouve des qualités jusque-là insoupçonnées que ne possède évidemment pas la langue française. 5. En regardant un film documentaire sur Sartre et Beauvoir, dont on ne comprend pas grand-chose, on remarque tout de même que les deux protagonistes se vouvoient. On se dit qu'on a encore du chemin à faire dans la compréhension des codes linguistiques. 6. On ressent un plaisir libérateur à jurer en français avec une violence dont on serait incapable en anglais. 7. On tombe amoureux en français. 8. On ne veut plus entendre parler anglais. Devant des touristes qui cherchent leur chemin dans cette langue, on fait semblant de ne pas comprendre. 9. On tombe des nues en découvrant un jour que même un enfant de 3 ans peut se servir du subjonctif. 10. On réalise à quel point les Français sont affligés
dès qu'on commet une faute de grammaire. Ils font une grimace à peine dissimulée, comme s'ils venaient de mordre dans un verre au cœur d'une châtaigne grillée. 11. On comprend, grâce à des commentaires sur les prouesses linguistiques du président Mitterrand, à quel point les Français admirent celui qui sait utiliser l'imparfait du subjonctif. Voilà donc ce qu'il faut pour devenir président de la République française, l'équivalent, disons, d'un triple axel en patinage artistique. 12. Suite à un entretien télévisé de Jane Birkin, on se demande si l'accent d'un anglophone en français peut être aussi chic que celui d'un francophone en anglais. Puis, on se résigne à l'idée que finalement, même en étant anglophone soi-même, on n'aura jamais l'allure de Jane Birkin, ni son accent non plus. 13. On se rend compte que son anglais s'appauvrit. Le français est en train de le grignoter de l'intérieur. On ouvre la bouche et il en sort du franglais. 14. On remplit un constat d'accident en français. 15. On réussit sans rougir à convaincre un policier de ne pas poser un papillon sur son pare-brise en revenant essoufflé du tabac où l'on vient d'acheter une nouvelle carte de parking. 16. On rêve en français. 17. On compte en français sans y penser. 18. On se fait corriger en français par un enfant de 5 ans. 19. Les années passent. 20. On parvient de temps à autre, mais rarement, à corriger le français de son enfant.
L'écossaise corse. Très récemment, après un débat sur l'exil et le changement de langue dans la ville d'Ajaccio, une écossaise est venue me parler en aparté. J'ai épousé un Corse et voici plus de 20 ans que j'habite ici. Nous avons 4 enfants. Je parle français constamment et couramment, sans problème, mais cette langue ne me touche pas et ça me désespère. Elle en avait presque les larmes aux yeux. Quand j'entends bracken, leaves, fog, je vois et je sens ce dont il s'agit. Les couleurs ocre et marron, les odeurs de l'automne, l'humidité. Alors que si on me dit fougère, feuille, brouillard, ça me laisse de glace. Je ne sens rien. Oui, parce que cette femme, pas plus que moi, n'a jamais intégré à sa chair de petite fille, comme l'ont fait tous les Français, y compris mes propres enfants, les berceuses, blagues, chuchotements, comptines, tables de multiplication, noms de départements, lectures de fond, depuis les fables de La Fontaine jusqu'aux confessions de Rousseau. Et de même, alors que dans ma langue maternelle, je suis d'une pudeur presque maladive, osant à peine aller jusqu'à murmurer « God » quand je suis vraiment hors de moi, en français, les pires obscénités franchissent mes lèvres sans problème. Dire « putain, salope, enculé de ta mère », ça ne me fait ni chaud, ni froid. Sa première langue. Son premier amour, c'est quand on tombe amoureux pour la première fois. On a le vertige à chaque pas. On va chez le fromager, la serveuse dit « Vous désirez ?» et on lui répond « Oui, madame, je désire. » Il n'y a rien au monde à part cet état-là. Son premier chat, c'est quand on n'a jamais eu de chat auparavant. La femme qu'on aime dit « Écoute, il y a un chat en bas dans la rue, il m'appelle. » Et on répond « Ce chat a faim peut-être, ou bien il est perdu, mais toi, il ne t'appelle pas. » Et l'on ajoute par précaution, d'ailleurs, pas de chat dans cet appartement. 5 minutes plus tard, elle est de retour. Dans ses bras, elle berce un chaton qui lève la patte pour taper sur une boucle de ses cheveux mouillés parce qu'il pleut dehors. En moins d'un quart de tour, on craque. Voilà, c'est son premier chat. Sa première langue, c'est celle qu'on apprend sans le savoir. Comme le lait de sa mère, elle est absorbée par le corps tout entier. Elle commence sous forme de gazouillis, comme les pieds d'un bébé, elle s'enracine. Puis un jour, miraculeusement, elle fleurit. Sa première langue, c'est celle qui sort en premier. Mais pas pour les Français, apparemment. Quand ils disent « ma première langue », ils font allusion à une langue étrangère apprise la plupart du temps à l'école. Ma première langue, c'est l'espagnol. Qu'en est-il alors de la langue française? Quelle place imagine-t-on pour elle si elle n'occupe pas la première? Voici ce qu'en pensait l'illustre Père Bourg au XVIIe siècle. De toutes les prononciations, la nôtre est la plus naturelle et la plus unie. Les Chinois et presque tous les peuples de l'Asie chantent, les Allemands râlent, les Espagnols déclament, les Italiens soupirent, les Anglais sifflent. Il n'y a proprement que les Français qui parlent. Et il dit aussi... Il n'y a guère de pays dans l'Europe où l'on entende le français. Et il ne s'en faut de rien que je ne vous avoue maintenant que la connaissance des langues étrangères n'est pas beaucoup nécessaire à un Français qui voyage. Où ne va-t-on point avec notre langue? Pour le père Bourg, la langue française, c'était un empire. Aujourd'hui, bien sûr qu'on ne
ne se permettrait pas une telle suffisance. Il n'empêche, quand on parle français, et a fortiori quand on l'écrit, il y a quelque chose qui se passe. Elle a tendance à croître la langue, à se dilater, à remplir tout l'espace, comme le parfum de celle qu'on aime, comme l'air frais du printemps fait frémir la maison quand on ouvre les fenêtres après l'hiver. Alors que l'anglais s'étend à l'horizontale, s'inscrit concrètement dans les choses et les actes, la langue française, elle, monte à la verticale, tend vers le ciel et veut englober la terre. Voilà peut-être pourquoi le père Bourg plaçait si haut la langue française, et peut-être en restait-il quelque chose. Si les Français ne la désignent pas comme leur première langue, n'est-ce pas parce qu'ils la considèrent toujours, secrètement, comme étant au-delà de toute catégorie? Rêve Le Pen. C'est un rêve écrit en 1998. J'ai un rêve éveillé en quelque sorte. Dans ce rêve, je suis immense et invisible comme Dieu. Je me penche sur la France, j'attrape Jean-Marie Le Pen par la peau du cou comme un chaton et je le dépose dans un pays étranger. Lui qui répète à loisir « mais si, nous aimons les étrangers, chez eux !» Voir donc. Dans ce pays, Jean-Marie n'a aucun pouvoir. Il est comme vous et moi, normal, nu, enfin habillé, mais sans uniforme. Il n'est le président de rien du tout. Il ne connaît pas un chat dans ce pays. Il ne représente aucune autorité. Il n'a pas le droit de donner des ordres, ni de malmener les gens, ni de tonitruer devant des micros. C'est juste un homme. Un peu bedonnant, un peu laid, mais un homme quand même. Étonnamment blanc et rouge de peau, mais bon, un homme. Il se trouve donc dans ce pays étranger, mettons dans une petite ville au fin fond de la Chine, de l'Inde ou du Soudan. Peu importe, les possibilités sont légion. Autour de lui, les habitants de la ville vaquent à leurs occupations, travaillent, circulent, discutent. Et voilà, Jean-Marie ne comprend rien à ce qui l'entoure. Je l'imagine là, dans la détresse de l'étranger, à se faire tout petit, tout poli-poli, gentil, un Le Pen terrifié, soumis et obséquieux, essayant par tous les moyens d'entrer dans les bonnes grâces des autochtones. Où va-t-il bien pouvoir dormir ce soir? Comment fonctionnent les hôtels ici? Et d'abord, existe-t-il des hôtels? S'il vous plaît, monsieur, excusez-moi. Parlez-vous le français? Non. Hôtel? Je suis crevé, j'ai envie de dormir, comme ça, dormir, oh, ropiche. Et puis j'ai faim, j'ai l'estomac dans les talons. Talons, vous comprenez, là, non, s'il vous plaît, un restaurant, restaurant. C'est tout, c'est mon rêve, ça, comme ça. Un petit coup, c'est agréable. Un petit coup, c'est agréable.
Elle. Si on veut parler de trois grandes mères assises autour d'une table dans un café, on dit bien « elle ». Idem si 110 femmes courent dans un marathon. On dit aussi « elle ». Mais si on se met à décrire les 671 filles qui chantent la Marseillaise sous le préau d'une école primaire, accompagnées par 27 maîtresses, y compris celle qui est au piano, et qu'à ce moment-là, le jardinier de l'école, qui se trouve être un homme, se pointe pour se joindre à elle, tout bascule et on dit « il », même s'il chante faux. Même s'il ne pointe que le bout de son nez. Parce que c'est lui le plus noble. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est le père Bourg. Il avait sûrement raison parce qu'il était jésuite, écrivain, historien et grammarien de surcroît. Selon lui... Lorsque les deux genres se rencontrent, il faut que le plus noble l'emporte. C'est-à-dire, bien entendu, le masculin. En l'occurrence, le jardinier. À cause de lui, d'un seul coup, la multitude du préau perd sa féminité comme un lac asséché de son eau. Et cela, même si la scène avec les filles se déroulait aujourd'hui, alors que le père Bourg écrivait au XVIIe siècle. Mon fils, né au Lila, dans le 9-3, le citait déjà à l'âge de 5 ans. C'était un soir juste avant de s'endormir. Ce midi à la cantine, les enfants jetaient tous des petits pois par terre, les garçons et même les filles. C'est pour ça qu'ils se sont fait gronder. T'as bien dit qu'il y avait des filles aussi ? Ben oui. Alors, pourquoi tu as dit « il » ? Ben, parce que c'est le masculin qui l'emporte. Voilà ce qui se passe quand on élève un enfant en terre étrangère. Non seulement il s'invente devant vous sa propre langue maternelle, mais avec la langue arrivent des valeurs d'abord dissimulées comme de la contrebande sortie une fois la douane passée. Pour arriver jusqu'à chez soi à 9 heures du soir. Mon fils pensait-il déjà à 5 ans que le masculin c'était le plus noble? Et même s'il n'en était pas arrivé jusqu'à là, que faire de l'idée du noble dans la langue française puisque le genre est arbitraire? Le père Bourg songeait-il que le beurre devait l'emporter sur la baguette? Le pantalon sur la braguette? Le banc de maquereau sur la baleine? Le vagin sur la verge, le blasphème, même involontaire, sur la prière. Thank you.
formation. C'est mon panneau de signalisation préféré. Je l'ai vu de nouveau aujourd'hui, un triangle jaune moutarde bordé d'une bande rouge piment. Au milieu, un point d'exclamation bien viril et en dessous, les mots... Trou en formation. Peut-être est-ce parce que je suis professeur et que le panneau se trouve sur la route de l'école. Mais chaque fois que je vois ces mots, je pense à une salle de cours avec attablés face à moi des trous en formation. Mais que peut-on bien enseigner à un trou, alors ? Je tiens à préciser, avant de poursuivre, et au cas où mes étudiants ou mes collègues liraient ceci, que dans notre école, nous n'avons pas, à ma connaissance, de trous en formation. C'est plutôt le contraire. Nous avons des remplis, des bien pleins et beaucoup de big boss en devenir. Et si en cours, les bonnes conditions sont réunies, ça déborde d'énergie et ça pétille, malgré un fonds de réserve récurrent, puisque ici, nous sommes tout de même en France. Je me réfère donc uniquement aux trous dont on nous annonce qu'ils sont en formation. Apprennent-ils à s'élargir, à se contracter, à s'approfondir, à se refermer entièrement et à se reconvertir ou au contraire à affirmer leur identité et à s'épanouir, à choisir entre le nid de poule et le cratère comme avenir? En tout cas, la formation d'un trou est sûrement d'une importance capitale puisqu'on tient à enfermer les usagers de la route. Il est vrai qu'un trou bien formé pourrait être d'une utilité inattendue. Par exemple, il pourrait apprendre à un conducteur à improviser un écart majestueux, à jurer comme il ne s'en serait pas cru capable ou simplement à penser au sort de ses pneus. Un trou, ça soulève la question de la place des ténèbres dans une vie qui traverse tant de surfaces lisses et luisantes. Un trou, après tout, c'est l'entrée des bas-fonds, une dose homéopathique des enfers, un rappel que même si on roule à 130 km à l'heure, la terre est toujours là, à tourner sous nos pieds. Bref, un trou bien formé, c'est toute une histoire. On devrait donc féliciter la direction de la voirie de prendre à cœur l'avenir des trous et à de consacrer des pans entiers de la route à des fins pédagogiques.
head of the bread. Rien n'est plus pénible pour la fausse bilingue que je suis que d'avoir à traiter des messages dans les deux langues à la fois. Je le vis comme une lutte quasi physique à l'intérieur de mon cerveau. Lutte d'où, que je le veuille ou non, la langue maternelle sort victorieuse. Il y a quelques mois, je me trouvais avec une amie chez Schwartz, célèbre bistrot juif sur le boulevard Saint-Laurent à Montréal. Mon amie me faisait en français, à voix basse, des confidences au sujet de son premier mariage. Vers le milieu du repas, sont venus s'asseoir à la table voisine quatre messieurs dans la force de l'âge, gros et gras et sûrs d'eux, de toute évidence des habitués de l'établissement, qui se sont mis à parler fort en anglais. Malgré mon désir ardent de me concentrer sur le récit fragile, précieux, hésitant, tremblant, cerné de larmes des déboires conjugales de mon amie québécoise, je n'ai entendu pendant le reste du déjeuner que des inanités anglophones. Hey, waiter! Could you bring me the head of the bread? Just tell the cook it's for me. He knows I'm crazy about it. The head's the best part, you know. Never eat anything but the head of the bread. À la fin du repas, je me suis rendu compte, atterré, que je ne connaîtrai jamais l'histoire du mariage de mon ami. Ce n'est pas le genre de récit dont on peut demander la répétition. Ça ne mange pas de pain. En pleine réunion, j'entends quelqu'un dire... On n'a qu'à l'ajouter. Ça ne mange pas de pain. Mais où s'était-elle cachée, cette expression, depuis que je suis ici? Je n'aime pas les réunions. Elle m'ennuie. Qu'est-ce qu'elle m'ennuie? Et puis, comment se fait-il qu'il y ait toujours un autre bout de la langue française qui m'échappe? Peut-être que par le passé, on l'a peu employé cette expression et que par temps de crise, ce qui ne mange pas de pain redevient d'actualité. La réunion bat son plein alors que dans ma tête, je vois une petite souris en train de manger du pain. Puis une deuxième. Elles grignotent. Il y en a une troisième qui s'approche. Elles sont luisantes, potelées, très occupées. Il y a des fourmis aussi. Celles-là... Ça ne mange pas de pain. On ne peut pas les ajouter. Et on n'a qu'à l'ajouter. Ça discute toujours fort autour de moi. Je regarde dehors et là, par contre, se trouvent plein de choses qui ne mangent pas de pain. Une pierre, par exemple, on n'a qu'à l'ajouter. Un arbre, le pain, ça ne l'intéresse guère, on n'a qu'à l'ajouter aussi. Pareil pour l'herbe et les murs et les voitures. Ensuite vient les routes, les bornes, les lampadaires, les panneaux publicitaires, le chemin de fer, la mer. Tout ça ne mange pas de pain. On n'a qu'à l'ajouter. On arrive jusqu'en Chine. Là-bas, ça ne mange pas tellement de pain non plus. D'ailleurs, dirait-on en mandarin que ça ne mange pas de riz. Du coup, je pense à l'homme assis jour après jour devant notre boulangerie. Peut-on l'ajouter avec son chien et son chapeau? Lui, peut-être que non. On n'arrête pas de lui donner des sous. Mais quelque part, pas loin derrière lui, se presse une foule de gens démunis. Leur cortège s'allonge par le temps qui court et qui court vers nous. Ceux-là, on doit les ajouter. Ça ne mange malheureusement pas de pain du tout. La bibliothèque. Il y a quelques semaines, je me suis fait conduire à une bibliothèque de banlieue par l'époux d'une des personnes qui m'y invitait. On avait dû le gaver de mes livres contre son gré, car entre deux conversations sur son portable, il éprouva le besoin de m'avouer ne pas se sentir concerné par ce que j'écris. L'avortement et l'infanticide, c'est quand même des thèmes typiquement féminins. Je comprends que vous puissiez ne pas être touché par ces thèmes en tant qu'homme, mais en tant qu'enfant, tout le monde est concerné, non? Ha! Je doute qu'il y ait beaucoup d'enfants qui lisent vos livres. Non, je voulais dire vous, en tant qu'enfant. Je ne suis pas un enfant, moi.
Mais si, bien sûr que vous l'êtes. On est tous nos âges à la fois, vous ne croyez pas? L'enfant, c'est comme le noyau d'un fruit. Le fruit, en grandissant, ne devient pas creux. C'est pas parce que la chair s'épaissit autour de lui que le noyau disparaît. Je suppose qu'il est interdit de ne pas être d'accord. Pauvre homme qui n'était qu'adulte. Pauvre, je veux dire, volontairement appauvri. Pas en exil, celui-là. Le regard. J'aime le mot « regard » en français. J'aime qu'on puisse l'ouvrir et le poser, le planter, au contraire, le jeter, le lancer, le plonger, l'avoir carrément noyé ou bien chargé, le braquer, détacher, détourner, soutenir, solliciter, le glisser ou le fixer, le porter et le promener. J'aime qu'on puisse en balayer l'espace, ou du moins tout un champ, fusiller du regard, l'esquiver, lire dedans. J'aime qu'il soit de tous les tons, toutes les atmosphères, clair, sombre, maussade, noir, mouillé et brouillé, voilé, vitreux, trouble, glauque, lubrique, brûlant, ardent, enflammé, pétillant, étincelant. J'aime que des regards se croisent, se rencontrent, se fondent et j'en passe, tout en laissant au corps, dont on ne parle pas, auquel on ne touche pas, le temps d'agir ou pas. Quand on déshabille quelqu'un du regard, c'est le cas. J'aime pouvoir parler du regard sans mentionner les yeux. Et que seulement par la suite, le corps puisse entrer en jeu. Ladies and gentlemen. Nancy Houston. Dennis Herson.
Un grand merci à Olivier Chaudançon et à toute l'équipe de la Maison de la Poésie, toujours aussi efficace et adorable.